Mesdames et messieurs, bonjour et cordial bienvenue à la conférence mensuelle du Père Boulade, La dépression, ce mal de notre temps. Je me présente, mon nom est Rami Ayoub, je serai votre animateur. Notre rencontre est enregistrée et diffusée sur YouTube en direct et se déroulera en quatre parties pour une durée totale d'une heure et demie. 45 minutes pour la conférence du Père Boulade. Nous aurons une présentation de 15 minutes par Dr Antoine Gabriel, psychiatre spécialiste, 30 minutes pour la période de questions et de partage, et nous clôturerons par les salutations finales. Je vous invite à visiter le site web des Amis du Père Boulade pour les dernières nouvelles du Centre des enfants sans abri. Bonne nouvelle, notre infolettre du mois d'août vient de paraître. De plus, nous venons de mettre en ligne une nouvelle retraite, Qui es-tu, Jésus de Nazareth? Les liens vous seront partagés dans la fenêtre de conversation ou de chat. Je vous rappelle que le recueil des pensées du Père Boulade, La quête du sens, est toujours disponible. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Michel Macram, mmacram@videotron.ca. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole au Père Boulade. Merci tout le monde pour votre participation et bonne conférence. Merci Rami et bonjour à tout le monde. C'est une joie de vous retrouver autour d'un thème un peu dépressif, si l'on veut dire, mais tellement actuel. Je commencerai simplement par quelques expériences. J'avais 13 ans lorsque, pour la première fois, j'ai entendu parler de dépression. Maman passait des jours et des semaines et des mois dans un état de prostration, assis sur son fauteuil, fixant le plafond et vivant l'enfer. Elle me dit, Henri, tu ne peux pas te rendre compte de ce que c'est. C'est horrible. Ce n'est pas pour des semaines, c'est pour des années qu'elle a vécu ça. Et elle me disait, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi ce que je vis dans cette dépression. Et parmi les personnes qui ont fait un commentaire dans la présentation de cette conférence-là, il y en a une dame d'Algérie qui m'a écrit en arabe. En me disant, du fin fond du désert d'Algérie, je te dis que ça fait 25 ans que je vis l'enfer. C'est la souffrance dans toute sa rigueur. Je la crois volontiers. Et naoul alam bi'ayni. Et je prends telle ou telle réaction des personnes qui ont répondu avant la conférence. Une qui me dit, je suis aidante d'une personne atteinte de dépression et je suis démunie. Oui, ça ne m'étonne pas. La dépression n'est pas une affaire facile. On verra tout à l'heure ça plus en détail. Une autre qui me dit, je souffre de dépression depuis 1983. 40 ans. Et malgré les antidépresseurs, je suis toujours malade comme au premier jour.
j'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue, sauf le désespoir. C'est horrible, ça. Je pense qu'on ne comprend la chose que si on l'a vécue. Et je voudrais vous dire comment je l'ai vécue à deux ou trois reprises dans ma vie. En 1981, il y a donc 42 ans, j'étais au Soudan avec un groupe d'une trentaine de jeunes et de moins jeunes qui était venu pour une mission à travers le Soudan, le nord, le sud, etc. Et rien ne marchait. Pas de communication, grève des trains, l'avion ne fonctionne pas. Trois, quatre semaines à attendre le train qui ne venait pas. C'était. Alors, j'ai senti que tout ce projet était en train de s'écraser par terre et d'avorter. Et j'étais écrasé. Alors, je vais demander maintenant à Virge de nous montrer la photo qu'on m'a prise à ce moment-là. Vous voyez, cet homme affaissé dans près de Gabel el-Awliya. Et c'était ce jour-là que j'ai connu, je peux dire, ma première dépression, l'échec. Et ensuite, on m'a transporté dans mon lit, là où nous vivions, et j'ai compris une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un des jeunes qui était avec moi, je lui dis, approche-toi, approche-toi. Il s'est approché. Je lui ai tenu son bras et je l'ai pressé, j'ai dessus. Ça signifiait quoi? J'avais besoin d'une présence. Pas le besoin d'une présence, j'avais besoin de sentir dans la chair, une présence. Et je lui dis, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Quelle nuit j'ai passé ce jour-là. Vous savez, si vous avez quelqu'un en dépression, il est essentiel de lui faire sentir votre présence à côté. Physiquement, charnellement, j'allais dire, il faut qu'ils sentent le contact. Pas simplement une présence à côté, mais une présence sentie. Et quand j'ai vécu de nouveau la dépression il y a 5 ans, c'était suite à une occlusion intestinale qui m'a fait perdre complètement l'appétit et le sommeil. Et je suis entré dans un état de dépression. C'est-à-dire un affaissement total psychologique, insomnie évidemment, et l'occlusion intestinale qui a fait quelques complications. Et là encore, j'ai dû appeler un de mes compagnons jésuites, je lui dis, tiens-toi près de moi, donne-moi ton bras. C'est quand on n'a pas vécu ça, on ne comprend pas. Et j'ai eu quelques idées de suicide à ce moment-là.
mais pas sérieux, mais quand même. Je sentais que j'étais dans un trou noir. Je m'en sortais pas. Et d'ailleurs, les spécialistes disent, on ne s'en sort pas tout seul. On a besoin d'être aidé, d'être accompagné. Alors, moi qui fais des sermons aux autres en leur disant la foi en Dieu, j'ai compris à ce moment-là que ma foi en Dieu n'était pas opérante. Dieu sait si j'ai foi en Dieu et si je l'ai pour la chose autre. Mais j'ai senti que ça ne suffisait pas. Et c'est là que, quand j'ai été voir le psychiatre, c'était la première fois de ma vie que je voyais un psychiatre. D'ailleurs, c'est très mal vu en Égypte. On ne veut pas dire qu'on a une dépression ou qu'on voit un psychiatre parce qu'on vous traite de fou. J'ai été voir la psychiatre, c'était une dame. Et je lui dis, docteur, je ne comprends pas comment moi, prêtre et religieux, je peux avoir des pensées de suicide. Elle m'a dit, ne vous en faites pas, ça n'a rien à voir avec la foi et avec la religion. C'est une affaire chimique. Je lui dis, chimique? Elle m'a dit, chimique. Et elle m'a prescrit un remède. Elle m'a dit, ça agira dans une semaine. Tu penses à chaque soir. Et puis, ça va durer. Et ça durera ce que ça durera. Et je le prends jusqu'à présent. Je le prends jusqu'à présent. Bien que je ne sois plus sous le coup d'une dépression. Mais j'ai compris que la foi ne suffit pas dans de telles situations. Il y a un traitement chimique à côté du traitement psychologique, à côté du traitement spirituel. Ces trois dimensions qui entrent dans le processus de guérison. La foi. J'ai quelques textes. Souffrance et mort sont le moteur de la vie, son combustible, ce qui lui permet d'avancer, de progresser. Sans elle, il n'y aurait ni progrès ni évolution. Nous aurions un niveau l'univers statique. Mort et souffrance ont donc une place structurelle. Au même titre que les colonnes de l'édifice ou les racines d'un arbre. Supprimer les colonnes, l'édifice s'écroule. Supprimer les racines, l'arbre meurt. De lignes plus bas. Lorsque je me tords dans mon lit avec un mal de ventre, de tête, lorsque je suis rongé par la déprime ou la solitude, quelque chose, quelque part, naît, grandit, se réalise. Comment? Nul ne le sait. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ma souffrance n'est pas perdue. Ma souffrance n'est pas perdue. Elle est récupérée ailleurs. Savoir cela est infiniment réconfortant. Mes chers amis, je vais encore prendre cette phrase de Jean Guiton. Lorsque vous allez, il y a deux façons de diminuer la souffrance. La première, c'est l'analgésie, c'est-à-dire les calmants. La seconde, c'est de lui trouver un sens. Croire qu'une souffrance a un sens, c'est croire qu'elle est un moyen pour une fin.
Lorsque vous allez chez le dentiste, vous entrez en clinique, vous avez conscience de ne pas souffrir en vain. Et je prends le poème très connu d'Alfred de Musset. L'homme, non, descend. Oui, encore. Voilà. L'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême, vieille comme le monde et la fatalité, qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême, et qu'à ce triste prix, tout doit être acheté. Oui, je pense que celui qui n'a pas souffert, il lui manque une dimension à sa vie. Je ne souhaite à personne la dépression. Je ne souhaite à personne la souffrance. Pas moi-même non plus. Mais quelqu'un qui a souffert est quelqu'un qui a mûri. Quelqu'un qui a souffert est quelqu'un qui comprend. Quand je suis malade et que je souffre, et qu'on vient me visiter, celui qui n'a pas souffert me tape sur l'épaule. Père Moulade, ça va? Oh, ça, tout ça, ça va passer. Allez, reprenez confiance, etc. Comme s'il n'avait rien senti. Je n'aime pas ça. Mais celui qui a souffert, il se tient à côté de moi et il se tait. La présence silencieuse de quelqu'un qui a connu la souffrance est irremplaçable. Et je pense que si je peux donner un conseil à ceux qui ont des amis dans cet état de dépression, c'est d'être à côté d'eux sans leur faire de grands discours, sans parler de questions psychologiques ou techniques ou spirituelles. Non. Soyez à côté de lui. Donnez-lui la main ou le bras. Souriez-lui. Et c'est la meilleure manière de l'aider. Parmi les témoignages que j'ai reçus dans l'annonce de la conférence de ce soir, la seule qui laisse un peu d'espoir, c'est celle-ci. Seul un psychiatre très chrétien m'en a sorti. Il a soigné la totalité de ma personne. Voilà une personne qui a guéri. Elles ne sont pas nombreuses, celles qui guérissent de la dépression. Il y en a une qui suggère qu'on introduise un service d'aumônerie tenu par des religieux spécialisés. Ça veut dire que dans les centres de traitement de la maladie, il faut qu'il y ait quelqu'un ou une équipe de gens qui apportent le réconfort spirituel. Bien que, je répète, la foi seule ne sauve pas, ne dispense pas de l'accompagnement psychologique et d'un traitement de type chimique ou hormonal. Alors, les causes possibles de la dépression, bien que souvent, on ne voit pas de cause. Moi, par exemple, au moment, je pense que la cause a été une extrême anémie. Elle était tombée dans l'anémie. L'anémie est un terrain favorable à la dépression.
Mais ça peut être alors une blessure du cœur, une déception amoureuse, un deuil, une crise affective et relationnelle. Ça peut être, deuxièmement, une blessure de l'ego, un échec professionnel. Ça peut être un troisième point, une perte du sens et des repères, ce que j'appelle une crise existentielle, propre à notre époque. Pourquoi? Parce que notre époque ne croit plus, a perdu ses repères, vit dans un pessimisme et dans un nihilisme qui sont un terrain tout à fait favorable à la dépression. La vie est absurde, la vie n'a aucun sens. Et là, cette crise existentielle qui mène à la dépression peut mener jusqu'au suicide. Pourquoi est-ce que les pays d'Occident sont les plus attaqués ou atteints par la dépression? C'est qu'ils ont perdu la foi et qu'il n'y a pas ce soutien qu'apporte la foi et qui est quelque chose de très, très, très important. Alors, on dit que la femme est plus portée que l'homme à la dépression. 50% de ceux qui sont atteints de dépression sont des femmes. Ça tient en partie à leur sensibilité, mais aussi à toute la mécanique physiologique de la femme sujette aux règles. Tout ce que vit la femme comme souffrance dans son corps, et on dit qu'elles sont plus sujettes à la dépression. Un médecin qui dit le principal risque d'une dépression non traitée est le suicide. Selon un rapport de l'Académie de médecine, le risque de suicide est multiplié par 21 en cas de dépression. Multiplié par 21 en cas de dépression. Au final, entre 5 et 20% des patients commettent une tentative ou un comportement suicidaire. Automatique, mais il faut faire attention, il faut entourer le patient pour qu'il ne recourt pas à des pratiques suicidaires. Et puis, on met en garde, le risque est plus particulièrement élevé lorsqu'il existe des antécédents dans la vie du patient et de la famille. Donc, il y a une incidence familiale qui joue là-dedans. Je ne vais pas entrer dans tout ce qui est physiologique ou médical. Ce sera le rôle du docteur Antoine, tout à l'heure, d'en parler. Les antidépresseurs, etc. Mais Je voudrais revenir aux questions qui étaient posées dans la présentation
de la conférence. Déprime, dépression, suicide. La déprime n'aboutit pas nécessairement à la dépression. La déprime, c'est un état passager qui atteint beaucoup de monde à notre époque et qui n'a pas la gravité de la dépression. Ça va, ça vient, ça tient à l'appui, ça tient à l'état général de la personne. Mais ce que je souligne, c'est que notre époque est plus portée à la dépression parce qu'il y a aujourd'hui une perte du sens. Une perte du sens. L'absurdité. Sartre, Camus, Nietzsche. Le monde est absurde. Alors évidemment, cette atmosphère générale fait que quand on voit que tout est bouché, que l'horizon est noir, alors on est porté au suicide. Et évidemment, l'Église avait une position extrêmement rigoureuse autrefois par rapport aux gens qui se suicident en leur refusant la sépulture religieuse, etc. Maintenant, on est beaucoup plus compréhensif, se rendant compte que celui qui se suicide est victime, autant qu'il n'est pas coupable. En général, il n'est pas coupable. Alors, enlever cette culpabilité morbide qui pèse sur les épaules des gens, il faut être infiniment plus compassionné et compréhensif vis-à-vis des gens qui sont dans le noir qui a donné le mot neurasthénie. La neurasthénie est un état préparatoire à la dépression. Alors, souvent d'ailleurs, l'homme ou la personne atteinte de dépression n'ose pas demander de l'aide. Il faut qu'elle ait le courage de dire « aide-moi, reste avec moi ». Et là, je pense à Jésus, à Gethsémani. Pour moi, c'est bouleversant. Il a vécu la dépression au niveau exceptionnel, ultime. Il a senti que tout se fermait devant lui, que sa mission avait échoué, que ses disciples l'avaient trahi, que son peuple l'avait vendu. Et il est là, seul, dans ce jardin. Et quand j'étais là-bas, il y a 2 ou 3 ans, c'est là que j'ai début de ma dépression, quand j'ai visité ce jardin de Gethsémani pour la énième fois, j'ai pensé à ça. Il a vécu la mort. Et d'ailleurs, il a dit lui-même, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste à en mourir. Oui, je dirais, l'état le plus proche de la dépression, c'est le sentiment de la mort. Une chape de plomb dans laquelle on est enfermé, écrasé. Le fait que Dieu lui-même en Jésus ait voulu vivre cet état de dépression qui est pour moi quelque chose de bouleversant. Un peu plus bas, en Jésus-Christ, voilà. Ah, Paul Claudel disait, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer. Mais il est venu la remplir
de sa présence. Vous savez, il ne faut pas trop chercher à expliquer la souffrance comme je le fais souvent, parce que celui qui souffre, il te dit, s'il te plaît, tais-toi, laisse-moi souffrir, mais ne me donne pas d'explication. En Jésus-Christ, Dieu lui-même assume notre souffrance et notre mort pour les transfigurer par sa résurrection. Le fait que Dieu lui-même ait voulu assumer ces réalités les illumine de l'intérieur et leur donne un sens absolument nouveau. On n'a pas idée à quel point le mystère de la croix, de ce Jésus vivant l'abandon, la dépression, jusqu'à pousser ce dernier cri sur la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon, la solitude, la détresse. Savoir que Dieu a vécu cela en Jésus-Christ, ça change tout. Ça change tout. Ce n'est pas de l'ordre d'un calmant, non. Et c'est là que la foi peut jouer. Et je continue mon texte, c'est généralement après coup qu'on saisit le sens de ce que l'on vit. Oui, moi je n'ai pas compris ma souffrance, sinon après coup. Au départ, il y a un acte d'abandon à faire. Une fois celui-ci fait, on découvre lentement la signification de ce que l'on vit. Autant la souffrance peut construire l'homme, autant elle peut le détruire si elle n'est pas pleinement assumée. La souffrance est une arme à double tranchant. Elle peut nous construire, mais elle peut nous détruire, nous anéantir. Je continue. Pas un atome ne se perd, pas un atome ne se perd de la souffrance humaine. Pas une douleur, pas une larme, pas un désespoir, pas une solitude. Rien ne se perd dans notre monde. Tout est relié. Chaque détresse, chaque solitude, chaque souffrance a sa contrepartie dans le monde mystérieux de l'esprit. Tout ce que vivent les malades cloués au lit, tout ce qu'ont dit les prisonniers au fond de leur cachot, toutes les détresses et les angoisses qui nous rongent à l'intérieur, tout, absolument tout, rejaillit en sève de grâce. Le moindre atome de souffrance construit quelque part quelque chose. Rien ne se consume sans générer un surcroît de vie. J'arrête ces textes pour reprendre un petit peu la suite de la conférence, ce qui montre une croissance importante du nombre de dépressions actuelles, c'est qu'il y a un boom extraordinaire ces dernières années de psychotropes ou de drogues contre la dépression. C'est monté en flèche, en Occident en particulier, mais même en Égypte, car l'Égypte entre, essuie et accompagne le mouvement général du monde. Alors, donc une explosion de leur vente d'antidépresseurs qui est significatif d'une époque troublée, d'une époque instable et d'une psychologie instable. On s'aperçoit
normalement que c'est vers la fin de l'adolescence que se situent les dépressions chez les plus jeunes. Les enfants, c'est plus rare. C'est plus rare. Mais alors, je vous lis un texte d'un médecin qui décrit un petit peu la dépression est un trouble de l'humeur. Il se caractérise par une profonde tristesse. Le mot tristesse est important. Un désespoir. Là, c'est un mot très important. Un désespoir. Un manque de désir de vivre. Donc, qui peut mener au suicide. Qui peut. Un repli sur soi. Une perte d'intérêt et de motivation pour les activités de tous les jours. On est en état d'apathie. Apathie, voilà le mot qui convient. On n'a pas envie de travailler. On n'a pas le goût de rencontrer les gens. On perd le goût de vivre. Ça, c'est dans les cas où ça ne mène pas au suicide. Alors, la durée de la dépression, une durée minimale de 2 semaines et une durée maximale de plusieurs années. Maman, ça a été des années. Et c'était lié à l'anémie, entre autres. Et peut-être d'autres facteurs. Alors, l'Organisation mondiale de la santé signale 9 symptômes qui expriment la dépression. Écoutez ça, 9 symptômes. Donc des signes de dépression. Une humeur triste, exprimée presque tous les jours. Souvent, plus prononcée le matin que le soir. Tiens, c'est intéressant ça. On se lève du lit avec des idées noires. Je me souviens, quand j'ai travaillé à l'Alexandrie à l'âge de 17-18 ans, j'avais un de mes amis employés comme moi qui arrivait le matin avec une humeur noire, mais noire. Le matin plus que le soir. Pouvant aboutir à des crises de larmes sans motif. Une perte d'intérêt pour les activités habituelles. Une diminution générale de la libido. Donc, les pulsions sexuelles sont en sommeil un peu. Une dévalorisation de soi. On se dévalorise. Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne vaux rien. Ce regard négatif qu'on porte sur soi-même et qui vous casse les ailes, évidemment. On ne fait rien quand on ne croit pas à soi-même. Une culpabilisation vis-à-vis de l'entourage. Donc, ce qui arrive de mal autour, on se sent coupable, responsable. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas la réalité. On doute de ses idées, de ses actes, de soi-même en général. Donc, évidemment, on n'a pas envie de commencer quoi que ce soit
parce qu'on sait que ça va échouer d'avance. Pensées récurrentes de mort et de suicide. Manque de concentration. Troubles de mémoire. Difficulté à suivre une conversation, de prendre une décision. Et alors, une variation importante du poids, tantôt on grossit, tantôt on maigrit, selon les personnes. Et enfin, ce qui est le plus terrible, selon ma propre expérience, c'est les troubles du sommeil. Ah, les insomnies, quand on ne peut pas dormir et qu'on se tourne et se retourne et se retourne et qu'on allume la lumière et qu'on prend un livre, qu'on travaille sur son ordinateur, on se remet au lit et le sommeil ne vient pas. Et ça dure des jours et des jours et des jours. Sentiment qu'on va devenir fou, qu'on va devenir fou. Et c'est là que j'ai... que ces pensées de suicide me venaient. Alors, j'ai demandé au médecin quand je l'ai eu, je lui ai dit, est-ce que ma dépression est légère ou sévère ou modérée? Il m'a dit non, elle est sévère. Donc, il considérait que cette dépression n'était pas quelque chose de léger. Et mais heureusement, elle n'a pas trop duré parce que je l'ai prise à temps et grâce au traitement, elle est passée. Mais combien je remercie le Seigneur d'avoir vécu cela parce que je comprends les gens. Ça aide à comprendre. Ça aide à éviter les jugements hâtifs, superficiels, condamnations. Non. Pour comprendre les autres, il faut avoir vécu la souffrance. Et je pense que c'est un des gains qu'on obtient. S'il y a un gain, oui, il y a certainement un gain. Comme je le disais tout à l'heure dans les textes que je vous lisais, rien n'est perdu, pas un atome n'est perdu de la souffrance humaine. Tout a un sens. Je brûle de l'énergie par ma souffrance, le moteur fonctionne. Quelque chose tourne, quelque chose avance, quelque chose grandit, quelque chose monte. Non seulement en moi, mais dans les autres et dans le monde. Voilà, je pense que on peut maintenant passer au docteur Antoine, qui va vous donner un aperçu beaucoup plus technique et professionnel de la dépression. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Boulade. J'aimerais donc donner la parole à Dr Gabriel pour une petite présentation sur la dépression. Bonjour tout le monde. Bonjour Antoine. Bon, vous avez eu le dessert, maintenant vous allez avoir le repas principal ou des cacahuètes salées. Bon, je ne suis pas un bon conférencier comme Père Boulade, ni un expert formidable, mais je travaille dans le domaine depuis des années et quand même j'ai une petite idée que je vais partager avec vous. Prochain diapositive, s'il te plaît. Oui. OK. Les définitions sont importantes parce que la déprime en langage français, c'est quand même quelque chose de léger. Ça me rappelle un peu ce qu'on appelle, ce qui était nommé dysthymie ou dysthémie. Qui est devenue maintenant dépression persistante, disons, persistent depressive disorder, dépression persistante en anglais, mais en français, j'ai trouvé que
traduit en dépression légère. Ça, c'est une dépression qui peut durer jusqu'à 2 ans, ou bien pour la diagnostiquer, il faut avoir 2 ans. C'est une dépression légère. Les personnes sont fonctionnelles, mais ils se traînent pour aller au travail, pour aller à l'université. Ils sont négatifs tout le temps. Ils peuvent avoir des périodes pendant lesquelles ils sont joyeux, durant Noël, par exemple, une fête, une partie, pour de très brefs moments. Mais la plupart des 2 années chez les adultes et 1 année chez les adolescents, ils sont négatifs, gloomy, déprimés, ils ne sont pas très agréables à fréquenter. Ça, c'est la dépression qu'on appelle déprime ou persistent depressive disorder ou bien dépression légère. Ça, cette dépression peut être traitée, bien sûr, par thérapie et si c'est nécessaire, parce que ils peuvent tomber dans dépression majeure, à ce moment-là, ils auront besoin de traitements plus intensifs. Et ces gens-là, après quelques temps même, ça devient leur nature. Donc, si on leur demande, est-ce que vous êtes déprimé, ils vont dire, non, on n'est pas déprimé. Parce que c'est devenu une deuxième nature chez eux que c'est leur humeur normale. Mais bien sûr, ils ratent beaucoup de la vie, ils ne peuvent pas être joyeux et ils ne sont pas heureux en général. Et les gens autour d'eux ne veulent pas les fréquenter ou bien ne veulent pas être très avec eux parce qu'ils ne changent pas. La dépression majeure qui est notre sujet d'aujourd'hui, c'est la dépression vraiment majeure, mais elle vient aussi en catégorie. Il y a mild, qui est minime, modéré et sévère. Juste entre parenthèses, les médicaments, d'habitude, fonctionnent pour la dépression sévère. Modéré et minime, ce n'est pas tout à fait toujours évident. L'anxiété est un facteur très important parce que c'est relié à la dépression. Il y a des gens qui ont des anxiétés qui deviennent, éventuellement, à cause de leur anxiété, ils deviennent déprimés. Et la dépression, après quelque temps, ça peut créer des anxiétés. Donc, c'est très, très important ce lien. Et heureusement que les médicaments, quand ils fonctionnent pour les deux, la dépression et l'anxiété. Il y a des genres d'anxiété qu'on appelle, par exemple, post-traumatic stress disorder, qui est le stress qui est relié au traumatisme, abus sexuels, abus physiques, abus psychologiques pendant des années, surtout à l'enfance. Ça crée beaucoup de symptômes d'anxiété et de dépression. Et c'est difficile à traiter parfois. Et ça marque l'enfant, parce que même l'abus ou bien psychologique, physique, sexuel, ça fait des changements dans le cerveau. Et ça, c'est quelque chose de très important à noter. La tristesse, ça fait partie de la dépression, bien sûr. Mais il y a des gens qui sont tristes, probablement qu'ils ont une dépression, même s'ils n'ont pas tous les symptômes, mais qui vivent avec une tristesse ou une mélancolie intérieure qui peut être traitée avec les médicaments. Oui, next, Rami, oui. Bon, les types de dépression, c'est important à essayer de reconnaître. Il y a la dépression clinique, qui est le trouble dépressif majeur dont Père Boulade a bien décrit. Ça, c'est les dépressions qui sont sévères, qui sont dures à surmonter. Les troubles dépressifs persistants dont on a parlé. Le trouble bipolaire est très important à savoir. C'est pas seulement un changement d'humeur, comme les gens pensent. On appelle ça mood swings. Beaucoup de gens ont des mood swings, ça veut pas dire qu'ils ont bipolaire. L'autre nom, on l'utilise pas souvent, mais c'est connu dans le monde. Le bipolaire, on le diagnostique surtout avec une attaque qu'on appelle mania. Mania, manie, en français. C'est une humeur euphorique ou bien une humeur très irritable qui peut durer jusqu'à une semaine ou d'habitude plus et qui est accompagnée de symptômes très caractéristiques. C'est une dimension assez grande, comme un rush d'adrénaline, de noradrénaline, de dopamine, et la personne devient complètement super, hyper, il est grandomane, il parle beaucoup, son esprit ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas dormir. Il a des tonnes d'énergie pendant des semaines et des semaines. Il ne dort pas plus que 2 ou 3 heures. Même parfois, il ne dort pas. Et à ce moment-là, ils font des choses incroyables. Ils dépensent tout leur argent. Les cartes de crédit sont parties en 2-3 jours. Ils sont
promiscuous, ils ont une promiscuité, ou bien ils deviennent parfois très religieux, donc ils lisent la Bible et, chaque jour, pendant des semaines, et ils commencent à prêcher dans la rue. Ils prennent leurs enfants de l'école, ils vont à Disneyland, ils invitent des étrangers au restaurant, ils les emmènent à la maison encore après. Donc après cette attaque de manie, ils peuvent tomber dans une dépression sévère, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont seulement des manies, donc ils ont le bon humeur et puis ils n'ont pas la dépression. Troubles affectifs saisonniers, ça s'explique de soi. Les gens qui sont plus déprimés en hiver, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle light box. Ça remplace le soleil. C'est 10,000 lux comme lumière qui donne l'impression qu'on a la lumière du jour quand les journées sont courtes et sombres. Dépression psychotique, ça peut arriver dans la dépression majeure. Donc, c'est pas une catégorie séparée, c'est la dépression majeure sévère peut être avec psychose ou sans psychose. Et d'habitude, c'est paranoïa. Et le FBI est après moi. Les gouvernements me harcèlent. Les gens se moquent de moi tout le temps. Des choses pareilles. Ça peut arriver à tout le monde, ça aussi. Dépression postpartum est très importante parce qu'il y a des femmes qui peuvent arriver jusqu'à tuer leurs enfants si elles sont très déprimées. Il y a quelque chose qui s'appelle postpartum blues, que d'habitude ne dure pas plus que quelques semaines à cause des changements hormonaux. Mais si c'est sévère et ça continue pour quelques mois, la femme peut se suicider et peut tuer son enfant. C'est très important de suivre ça. Next, s'il te plaît. OK. Y a-t-il des personnes ou des personnalités plus vulnérables que d'autres? Bien sûr. Il y a des gens qui sont nés avec des parents qui sont déprimés. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle le « learned behavior », ce qu'on apprend. Si la mère ou le père sont complètement déprimés tout le temps, les enfants apprennent que les réactions normales, c'est d'être déprimés. Donc, il y a un facteur environnemental. Bien sûr, il y a des facteurs génétiques au niveau moléculaire. S'il y a quelque chose dans le ADN qui ne va pas bien dans la séquence, ça peut créer, par exemple, un trouble dans le transporter system, par exemple. Il y a les neurotransmetteurs dans le cerveau, noradrénaline, dopamine, sérotonine, qui peuvent être transportés d'un neurone à un autre. Donc, ça peut créer des problèmes. Il y a des troubles anatomiques qui peuvent arriver. Donc, il y a une vulnérabilité combinée à des facteurs environnementaux. Donc, si tout va de travers, si la vie est difficile, je sais pas, il y a des catastrophes naturelles, ça ne finit pas, avec des facteurs biologiques et peut-être même sans facteurs biologiques, on peut rentrer dans la dépression. C'est pas une faiblesse de l'âme, c'est pas une vulnérabilité qu'on a choisi d'avoir, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. La foi nous préserve-t-elle de la dépression? Je ne pense pas. Mais elle peut nous préserver du suicide. Ça, c'est dans notre domaine. Quand quelqu'un est religieux, on pense qu'il est un peu protégé du suicide. La foi peut protéger de la dépression dans un facteur que j'ai noté que un des symptômes de la dépression, c'est la perte d'espoir, le désespoir. Notre croyance, c'est le Nouveau Testament, c'est la joie de l'évangile, de la résurrection, c'est ça qui nous donne l'espoir, même au moment du désespoir. Mais parfois, bien sûr, les facteurs biologiques sont tellement sévères qu'on peut oublier ça ou l'ignorer pour quelque temps, alors on peut perdre la foi et peut-être penser au suicide aussi. Prochain, s'il te plaît. Bon, les symptômes, c'est très important de savoir quelque chose. D'abord, nous, on fait le diagnostic avec un livre qui s'appelle DSM-5. Il est un peu différent de la classification internationale des maladies. Ça, c'est les Américains qui, bien sûr, ils aiment faire les choses à leur guise. L'autre monde n'existe pas pour eux. Je dois vous dire que ce livre, les compagnies pharmaceutiques et d'autres organisations participent à donner des fonds à cette organisation de l'American Psychiatric Association qui fait ce livre. Donc, il y a des conflits d'intérêts. Donc, ils ont une tendance à élargir la population qui peut être diagnostiquée pour, bien sûr, vendre des traitements, des médicaments et tout ça. Ça, c'est entre parenthèses.
Et il ne suffit pas d'avoir des symptômes pour faire le diagnostic. Donc, il y a des gens qui tombent dans ce piège. Il faut avoir un dysfonctionnement professionnel ou social pour faire le diagnostic. Donc, si quelqu'un a des symptômes de dépression, mais il va à l'école, il a de bonnes notes, ou il travaille, il est apprécié, on peut pas faire le diagnostic à moins qu'il y ait un dysfonctionnement professionnel et social. Donc, il commence à négliger ses activités, tout ça. L'appétit peut monter ou descendre, le sommeil peut monter et descendre, la concentration peut diminuer, l'énergie. Et il y a le worthlessness, hopelessness, helplessness. Le pire, c'est le hopelessness. Worthlessness, c'est le manque d'utilité, on se sent inutile, on n'est rien. Helplessness, l'impuissance, et le désespoir, c'est le pire. Ce n'est pas tout le monde qui a la dépression qui pense au suicide. Il y a des gens qui ne vont jamais penser au suicide. Mais c'est un facteur très important à faire attention parce que, bien sûr, beaucoup de gens sont déprimés et pensent au suicide. Il y a aussi des facteurs qui augmentent la dépression, l'anxiété, par exemple, le PTSD, le traumatisme à l'enfance, l'alcool et les drogues, bien sûr. Tout ça, c'est important. Quoi d'autre? Bon, il faut que l'épisode soit 2 semaines. Donc, il y a des gens qui choisissent « Ah, je manque d'appétit, je suis déprimé ». Non, ça doit être plusieurs symptômes en même temps dans un épisode de 2 semaines. Ça, c'est très important parce que souvent, les gens ont un symptôme ici il y a 2 ans, l'autre il y a 10 jours, un autre il y a 2 semaines. Donc, c'est pas comme ça. Ça doit être un épisode et on doit faire le timeline de chaque épisode. Donc, ce n'est pas un symptôme il y a 10 ans, un autre il y a 5 ans, et on fait une... Non, ça doit être maintenant. Le prochain, s'il te plaît. Les causes, bien sûr, on a discuté un peu, ça peut être biologique, ça peut être environnemental, une combinaison, les alcools, les drogues. Tous les drogues et les alcools vont donner des dépressions. Pourquoi? Parce qu'il y a le facteur de tolérance, il y a un facteur d'habituation, donc on ne peut pas se passer. Donc, ce qui crée une anxiété, est-ce que je vais prendre ma drogue à temps ou pas? Donc, est-ce que je peux boire ma boisson le matin où il n'y a pas d'argent pour l'acheter? Bien sûr, il y a les facteurs biologiques, neurologiques, génétiques et environnementaux, et surtout l'enfance. L'enfance est très importante, bien sûr, pour désigner qui peut être déprimé ou pas. On ne sait pas vraiment la cause de la dépression. Finalement, c'est des facteurs très difficiles à définir quand on sait qu'il y a 86 milliards de neurones dans le cerveau. Il ne faut pas plaindre les psychiatres et la psychiatrie de ne pas avoir des traitements. C'est tellement compliqué, incroyablement. On fait de notre mieux avec les médicaments et les traitements qu'on a. Le bon Dieu ne nous a pas donné encore la révélation de comment définir le cerveau. Le prochain, s'il te plaît. Bon, on vient au traitement. Ce qui est important, c'est que c'est très difficile de traiter toutes les maladies psychiatriques en général. Pourquoi? Parce que le cerveau est compliqué. Donc, il ne faut pas blâmer le psychiatre, il faut blâmer le bon Dieu, peut-être, si vous voulez, d'avoir fait le cerveau très compliqué. Les médicaments, ça fonctionne à 60%. Les gens qui résistent au traitement, c'est 30%. Et ça peut être beaucoup de facteurs. Nous, par exemple, on a le facteur de non-compliance. Les gens ne prennent jamais les médicaments comme ils sont recommandés de le faire. Donc, ça, c'est un facteur. Un facteur très essentiel, difficile à surmonter, c'est le trouble de personnalité. C'est difficile à toucher à ça avec les personnes. Elles se fâchent, elles quittent le traitement. Donc, il y a des facteurs de personnalité, facteurs de non-compliance avec les médicaments. Les médicaments ne sont pas parfaits, mais ils améliorent la situation. Je ne peux pas dire qu'ils guérissent. Parfois, ça guérit, mais c'est très rare. Et souvent, si on a 1 ou 2 ou 3 épisodes de dépression, ça veut dire qu'il faut prendre le médicament jusqu'à une éternité. Pourquoi? Parce que ça va revenir, ça va revenir. Donc, s'il y a une personne, le premier épisode de dépression, on recommande le médicament pour 1 année. Deuxième épisode de dépression, 3 ans. 3 épisodes de dépression, on recommande 5 ans ou plus, probablement c'est mieux. Et c'est mieux de continuer sur un médicament qui fonctionne. Pourquoi? Parfois, on arrête le médicament et pour quelque temps, les patients se sentent mieux, ils arrêtent le médicament. Ils reviennent quelques mois, quelques années plus tard,
ça ne fonctionne plus. Donc, on se retrouve à zéro et maintenant, on n'utilise plus même un médicament. On essaie avec un médicament, on essaie un autre. Ça prend 4 à 6 semaines parfois pour fonctionner. Les gens se frustrent, ils quittent le traitement. Maintenant, on utilise un médicament, on le change après quelques temps, ça prend du temps. Maintenant, on utilise 2 médicaments, parfois 3 médicaments. Et c'est comme ça que ça se déroule. Malheureusement, il n'y a pas de traitement parfait. Mais c'est assez efficace, il faut toujours essayer, garder l'espoir. Si on n'a pas accès à un psychiatre ou un thérapeute, il y a toujours les médecins de famille. Malheureusement, ils sont orientés pour 1 ou 2 médicaments et après, ils ne changent pas, ils n'ont pas la dose, tout ça. Donc, ça tombe à l'eau parfois et ça crée encore plus de facteurs de frustration. Bon, le prochain, s'il te plaît. Comment préserver sa santé mentale? Ah, bon, attends, avant de ça, on va revenir au traitement, je m'excuse, le diapositif précédent. Si les médicaments ne fonctionnent pas, on a des médicaments, il y a des médicaments naturels pour les dépressions mineures. Par exemple, il y a St. John's Wort, ça s'appelle comme ça, il est over the counter, on peut l'acheter de la pharmacie. Il y a Omega 3 Fatty Acids, qu'on peut, 2 grammes par jour, peut aider certaines personnes. Ça rentre dans la synthèse des noradrénaline, dopamine et sérotonine. Et quand les traitements ne fonctionnent pas, on a ce qu'on appelle ECT, électroconvulsive therapy. Ce que vous voyez dans les films, on pense que c'est un instrument de torture. Ce n'est pas le traitement de torture, c'est notre meilleur traitement pour la dépression. La personne est sous anesthésie. Et ça, c'est pour les personnes qui sont sévèrement déprimées, qui sont suicidaires. Et j'ai des patients qui prennent ça chaque 2 semaines. Ils vont faire un électrochoc thérapie. Leurs idées suicidaires sont moins pour 2 semaines. Et après, ils doivent prendre une autre électroconvulsive thérapie. Donc, ce n'est pas une machine de torture, c'est très efficace. Une autre façon moderne maintenant pour traiter ça, ça s'appelle Transmagnetic Brain Stimulation. Au lieu de faire le ECT, on met comme un casque et il y a des électrodes qui donnent des impulsions au cerveau dans certains endroits qu'ils choisissent. On fait ça 2-3 fois par semaine. Chaque séance est peut-être 45 minutes, quelque chose comme ça. Ils essayent de diminuer la période et le temps. Et ça, ça peut remplacer peut-être dans le futur l'électroconvulsive thérapie, le choc, la thérapie de choc. Il y a d'autres traitements maintenant qui viennent des hallucinogènes, comme psilocybine. Il y a d'autres comme kétamine, qui est un anesthétique, qui est un peu une drogue que les jeunes aiment voler chez vétérinaires. Donc, il y a des traitements qui s'en viennent encore et de nouveaux médicaments qui sont en train d'essayer pour le futur. Il faut toujours essayer de faire le traitement. Bon, je suis en train de... Le prochain, Rami, vite, s'il te plaît. Comment préserver sa santé mentale? Bien sûr, c'est avoir une vie exercice, la santé, la nourriture, la méditation, c'est très important. Il faut aussi s'entourer d'environnements positifs. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais négatif quand j'étais en Égypte, et même quelques années quand je suis venu au Canada. Et après ça, je me suis trouvé que ça ne sert à rien d'être négatif. Donc, il faut toujours regarder le positif et le trouver partout. Quoi faire si une personne proche refuse de se soigner? Ça, c'est un grand problème qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est très difficile. C'est à cause des troubles de personnalité, à cause de traitements qui sont un peu lents. Ça frustre, mais il faut toujours les encourager, essayer de les engager, pas directement, mais indirectement. Et heureusement que la plupart de nos patients, 60%, même s'ils ne guérissent pas, on peut les améliorer au moins de 30, 40, 50%. Le prochain, s'il te plaît. Bon, merci. Alors, quelques remarques, surtout à la fin, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit, mais... Je veux dire aussi qu'il y a des scales, comment on dit scale en français, comme un test qu'on peut faire en ligne qui s'appelle Beck ou Hamilton Scale pour voir le degré de dépression ou d'anxiété. Beck, B-E-C-K ou Hamilton Scale pour voir si on a une dépression ou pas. On peut faire ça. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Pour le moment, merci et
pour votre Merci, écoute. merci Antoine. Antoine et Père Boulad, je viens de recevoir un commentaire, une dame qui mentionne « Je veux mourir, je ne mange plus, je me laisse mourir ». Quel conseil est-ce qu'on peut lui offrir? Absolument, elle doit voir le médecin ou aller à l'urgence. Ça, c'est très, très sévère, c'est très sérieux, ça ne va pas passer. Ça, c'est une urgence médicale, psychiatrique. Il faut aller à l'urgence. Il faut être admis peut-être même à l'hôpital parce que le traitement va prendre du temps. Il faut les commencer à l'hôpital parce que si ça continue dans quelques semaines, cette dame risque de se tuer. Il n'y a pas d'autre recommandation à faire que d'aller à l'hôpital et accepter d'être admis pour se soigner. C'est comme une maladie médicale, diabète, hypertension, n'importe quoi. Il faut aller se soigner à l'hôpital. C'est essentiel, sinon la vie de cette personne est à risque. Il n'y a pas de négociation avec ça. Merci, docteur Antoine. Bon, c'est le temps maintenant des questions et de partage. Je vous prie d'être bref et concis afin de permettre aux autres personnes, aux autres participants qui le désirent de prendre la parole, tout en respectant le temps alloué à cette conférence. Pour ceux qui aimeraient prendre la parole, je vous invite à cliquer sur l'icône de la main levée en bas de votre écran. Finalement, je vous prie de bien vouloir garder les salutations à la toute fin de la conférence. Florencia, j'espère que j'ai prononcé correctement votre nom. Vous pouvez activer votre micro. Oui. Oui, on vous entend. Il n'y a pas la vidéo. En fait, ce n'est pas Florencia, c'est Louis. Florencia, c'est ma fille. Je ne suis pas du tout transgenre, je vous rassure. voilà, c'est Louis. C'est Louis, je suis français et je vis en Argentine, en Amérique du Sud. Et voilà, Florencia est ma jeune fille, qui me sauve d'ailleurs. Et je voulais commencer par une petite anecdote avant de faire une précision. Argentine, Paraguay, c'est pas loin. Ce sont des régions où la campagne est très présente, où la mentalité des gens de la campagne et des gens des villes est énorme. Voilà. Une petite anecdote chez un paysan modeste paraguayen où sa fille, une adolescente, ne veut pas se lever un jour, elle se sent mal, etc. Ils appellent le médecin et le médecin lui dit « Ah, ta fille va très bien physiquement, elle n'a pas de problème, mais elle a une déprime, elle est déprimée. » Le père se met en colère et il dit « Écoute, ma fille, ici, ce n'est pas une maison, la déprime, ça n'existe pas dans la maison. C'est une maladie de riche. Donc, tu vas au champ, tu travailles et ça va terminer. » Effectivement, dans ce cas-là, ça a marché. Merci à vous deux pour vos interventions riches. Un peu stressante aussi et complète, mais effectivement, on a tendance je crois, dans nos sociétés, à faire un amalgame entre déprime, dépression, etc. Je noterai simplement qu'on n'a pas parlé, c'est quelque chose que je connais, pas moi personnellement, de ce qu'on appelle des attaques de panique. Qui rentre, docteur, ça doit rentrer dans le cadre de la dépression, ça, les attaques de panique. Non, ça rentre dans le domaine de l'anxiété. C'est pour ça de l'anxiété. Oui. Bon, voilà. C'est autre chose qui est très courte. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, dans notre société moderne, on vit à la ville, on est déconnecté de bien des choses. Et effectivement, tous nos biens matériels, tout notre éloignement spirituel, a fait que maintenant, des choses qui étaient banales jadis deviennent, enfin banales, banales dans le sens où ça existait déjà, mais là, on l'a amplifié parce qu'on le sait beaucoup plus, on le communique beaucoup plus de ça. C'est-à-dire, on est déprimé. Si tu es déprimé 20 ans, comment tu fais pour vivre aujourd'hui? Or, les gens qui peuvent être déprimés 20 ans, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème de moyens. Je veux dire, si tu es déprimé au champ 20 ans, tu meurs. Voilà. Donc, la nature faisait une sélection beaucoup plus radicale que maintenant. Maintenant, nos sociétés font qu'effectivement,
on peut se permettre d'avoir des mots. J'en viens à ma question à Père Boulard sur la partie, effectivement, suicide. La dépression, suicide, parce qu'effectivement, on peut se dire, quel est le sens de la vie si on voit tout noir, si on n'avance pas, si on sent impuissant. Bon, on va diffuser. Bon, après, pour passer à l'art, effectivement, il faut vraiment vouloir, parce que c'est autre chose, mais effectivement, alors, d'un côté de la religion, effectivement, la religion était jadis hyper sévère, renier le suicidé comme si c'était un péché mortel et qu'il était complètement banni. Bon, aujourd'hui, pour aller un peu plus loin dans ce sens, que considère la religion si vous vous suicidez? Parce que, bon, après, on peut se dire, moi, j'ai la foi, j'ai une foi énorme en Dieu, je suis persuadé que l'au-delà est bien meilleur que ma vie d'ici. Donc, aujourd'hui, ma vie, enfin, je caricature, hein. Ma vie ici, par moment, ne m'intéresse pas trop, mais je suis persuadé que je serai mieux dans l'autre vie, monde parallèle. Voilà. Qu'en est-il de ça, même si on est encore rassuré par le fait qu'on peut dire que la souffrance qui a été dit sert à quelque chose. Je ne sais pas à quoi ça sert pour les autres, mais ça sert à quelque chose. Et je terminerai par dire que les bouddhistes disent que si on souffre, c'est parce qu'on est en train de payer tout le mal qu'on a pu faire aussi dans les vies intérieures, ce qui, quelque part, à moi, m'intéresserait. Donc, au niveau de la religion catholique, Père Boulard, quel est le problème si on se suicide par rapport à notre vie dans le ciel? Il y a deux aspects à considérer. L'aspect théorique ou dogmatique ou moral, et l'aspect personnel et pastoral. Une chose peut-être répréhensible sur le plan des principes et compréhensible sur le plan personnel. L'Église n'accepte pas, n'encourage pas le suicide parce qu'on n'a pas le droit de mettre fin à sa propre vie. Mais, à côté de cette affirmation de principe, il y a la réalité concrète du bonhomme qui est là. Et donc, il faut voir si ce principe ne va pas aboutir à être contre-productif pour la personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on distingue le plan théorique et le plan personnel. Théoriquement, on peut dire non au suicide, mais on peut donc envisager la situation concrète de la personne qui s'est donné la mort et alors voir ça avec compréhension et compassion. Il faut séparer les deux d'une certaine manière. J'avais un ami médecin qui me disait « Autant il faut être strict sur les principes, autant il faut être souple dans leur application. » Voilà. Merci. Je vais ajouter seulement quelque chose. Rami, je vais ajouter seulement quelque chose que j'ai oublié de dire à tout le monde et aussi qui répond à M. Calando. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Il y a des choses qu'on appelle en anglais « adjustment disorder ». C'est des choses situationnelles. Donc, il y a « adjustment disorder with anxiety »,« adjustment disorder with depression »,« mixed disorder of conduct ». Donc, c'est des choses situationnelles. Donc, ce que vous avez décrit pour la fille qui ne voulait pas aller travailler, elle avait quelque chose de situationnel pour un petit temps et elle s'est remontée tout de suite après et elle a commencé. Mais s'il y a quelqu'un qui est vraiment déprimé, ça ne va pas passer comme ça parce que son père lui a dit « tu dois travailler », ça ne va pas faire. Donc, c'est très important de faire la différence. C'est des petits moments où il y a des gens qui sont un peu, c'est ça, on peut dire un peu la déprime légère ou bien qui passe quelques jours et ça va. Après une relation qui n'a pas marché ou quelqu'un qui a été renvoyé de son travail, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est situationnel. Il faut faire la différence entre ce qui est situationnel et la vraie dépression qui dure et qui reste et qui fait beaucoup de déficiences fonctionnelles. Bon, c'est tout. Continue les questions.
Merci beaucoup. Merci Louis. Martine, c'est à vous la parole. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour à tous. Bon, alors moi, je comprends tout ce que vous dites, sauf que bon, je suis un peu déçue quand même pour cette conférence, parce que je pensais, comme habituellement avec le père Boulade, qu'on allait centrer un peu les choses quand même sur Dieu, hein, sur le Seigneur Jésus. Et là, aujourd'hui, j'ai eu plus l'impression d'assister à une émission médicale plutôt qu'à une conférence spirituelle. Et je pensais que par rapport à ce mal, la dépression, on aurait plutôt donné des remèdes autres que des remèdes humains qui sont, je ne dis pas, complètement négatifs et qui ont leur utilité. Mais je pense qu'on a quand même pas suffisamment parlé de Dieu. On n'a pas mis le Seigneur au centre. On a plutôt mis l'homme au centre et son mal. Et je pense que le mal aujourd'hui, justement, je crois, le docteur peut le dire, je pense que dans nos décennies, les dépressions sont de plus en plus croissantes. Et pourquoi? Parce que l'homme, dans son ensemble aujourd'hui, il se nourrit un petit peu des choses du monde, il centre toute son attention et son énergie sur les choses du monde, il laisse envahir son esprit et tout son corps habité par toutes ces choses malsaines, négatives, etc., qui sont générées dans le monde aujourd'hui. Et par contre, oui, l'homme qui vit sans Dieu, en fait, hein, aujourd'hui, c'est un peu ça, l'homme qui vit sans Dieu, qui veut s'en sortir par lui-même, qui veut tout faire sans Dieu. Et je trouve qu'on l'a oublié un peu aujourd'hui. Et je pense que si on se nourrissait davantage de la parole de Dieu, qui est notre source de vie, je pense qu'il y aurait moins de mal aujourd'hui dans les êtres, dans comment dirais-je, la psychologie, le mental des gens. Voilà. Moi, bon, j'ai eu par le passé, dans ma jeunesse, j'ai pu avoir des petites déprimes, etc. Bon, j'ai quand même vécu le plus gros drame de ma vie. J'ai perdu mon fils en 2009. Ça a été vraiment une perdition totale de moi-même. Et pourtant, j'ai, dans un moment de détresse, justement, j'ai, moi qui, le père Boulade parlait de sommeil, d'avoir perdu le sommeil. Moi, c'est pareil, j'ai perdu le sommeil pendant des mois. Je passais des nuits blanches. Et quand on passe des nuits blanches pendant des mois et que le matin, il faut se lever pour aller travailler, croyez-moi, c'est dur. Mais un jour, j'ai crié au Seigneur, j'ai appelé le Seigneur, j'ai appelé au secours, j'ai dit « Seigneur, j'en peux plus, sauve-moi, faut que ça s'arrête, je peux plus ». Et j'ai tendu ma main vers le ciel et j'ai senti la main du Seigneur m'attirer, me tirer. Et cette main que j'ai ressentie et qui m'a sauvée, qui m'a enlevé tout mon désespoir, mon mal-être. Le soir même, quand je suis rentrée chez moi, je vous passe les détails, mais le soir même, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, j'ai été me coucher. 3 minutes après que j'ai été couchée, je dormais.
J'ai passé une nuit comme jamais j'en avais passé depuis des mois. J'ai dormi comme un bébé. De ce jour-là, j'ai retrouvé le sommeil. Le Seigneur m'a sauvé vraiment de ma détresse, de mon désespoir. Et il m'a redonné vie, il m'a donné l'espérance et il m'a guéri. Il m'a guéri, tout simplement. Et voilà, donc je pense, c'est pour dire que mettre le Seigneur au centre, c'est quand même la clé de la guérison, je pense, même si, comme le Père Boulade le dit, la foi seule ne fait pas tout. Il faut la foi, les œuvres aussi, en même temps. L'un sans l'autre ne va pas. Mais justement, l'œuvre pour le Seigneur, c'est indissociable de la foi. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté. On centre trop les choses sur l'homme aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Martine. Merci. Écoutez, il me semble avoir parlé de l'aspect spirituel plusieurs fois dans les textes que j'ai présentés, et en disant que quand j'ai vécu cette expérience, j'ai senti que ma foi ne suffisait pas. J'ai compris ce jour-là qu'il y a tout un aspect très concret de substances chimiques qui agissent sur le cerveau et qui ont opéré ma guérison. Mais je ne conteste pas du tout votre témoignage, au contraire, mais il ne faut pas généraliser. En tant que prêtre, Dieu sait si je crois à la foi et j'ai plusieurs de mes textes que je vous ai présenté ce soir, parler justement. Et alors, mais je n'aime pas trop mettre le bon Dieu à toutes les sauces en disant c'est le remède miracle. Oui, ça a marché pour vous, mais ça n'a pas marché pour moi. Alors, c'est un témoignage que je donne, et votre témoignage est très beau, et je l'accepte comme un élément à considérer, oui. Merci beaucoup, Martine. Merci. Merci, Martine. Marine, je vais vous demander d'activer votre micro. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Bonjour, Père Boulade. Bonjour, Docteur Roussan. Bonjour, Martine. Merci, Père Boulade, je suis tout émue parce que je vous remercie de témoigner avec simplicité de ce que vous avez traversé, et pour un homme prêtre, je trouve que c'est touchant d'avoir la simplicité de mettre des mots sur une intimité et une souffrance que vous avez traversée. Donc merci beaucoup, merci. Ça fait je suis sûre que ça fait le plus grand bien à tous ceux qui vous écoutent. Merci. Merci Marine. J'avais deux petites choses à dire. J'ai traversé, j'ai vécu avec une grande foi dans mon adolescence, et je me suis beaucoup appuyée sur cette foi qui me donnait beaucoup de joie, et je me suis rendu compte que cette joie devenait presque une foi, sauf que j'ai traversé des années douloureuses humainement dans mon travail qui m'ont petit à petit ôté cette joie, tellement ôté que j'en avais un comportement dépressif, mais sans le voir, parce que justement il y avait ce voile de la foi peut-être qui m'aveuglait, et je m'appuyais fermement avec volontarisme sur ma foi sans voir que à l'intérieur de la coquille en fait tous les aspects dépressifs se manifestaient, jusqu'à un moment où j'ai dit stop, j'ai arrêté mon travail et j'ai arrêté comme on relève la tête pour prendre de l'oxygène quand on se noie. C'était le même mouvement de survie. Et depuis, je chemine, je suis accompagnée par un psychologue, mais je me rends bien compte qu'en fait, ma difficulté, ça a été de ne pas être vue, parce que ma foi était telle, et dans ma famille aussi, on me voyait comme Marine, toujours joyeuse,
que du coup, on me faisait presque sentir le reproche de plus être joyeuse, comme si j'étais coupable, comme si j'étais responsable. Et donc, je voudrais, ça fait écho un petit peu à ce que la personne d'avant a dit, la foi, c'est un véritable trésor. Et en même temps, je crois que c'est que quand on la vit comme un cadeau, comme un don, comme vous l'avez vécu, que ça porte vraiment son fruit. Parce que dans mon cas, je l'ai vécu à un moment de douleur, plutôt comme un cheval de bataille, une volonté à laquelle je m'agrippais. Et du coup, je ne voyais pas mon cri d'appel, mon besoin d'aide qui était enfoui derrière tout ça. Voilà, donc peut-être c'est différent selon chacun et surtout c'est différent selon comment on vit la foi. Je vais donner la parole à Thérèse. Thérèse, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour Thérèse. Bonjour tout le monde. Bravo, mon père. What I'm going to say is, I'm going to use English because it's easier for me. Oh my God. It's been a wonderful, wonderful conference where you've put your hand on so many different points, on some taboos, you know, mental health. If you have mental health, you've had it, you know, you are shut in a corner, you know, nobody wants to know about you. We all go through phases in our life where we experiment, what we go through difficulties and through moments of, like, maybe not severe depression, but anxiety, depression, feeling bad, feeling lonely, feeling isolated, feeling rejected, feeling whatever. It's part of life. It's part of life. How we deal with it, it's to do with how we are, what we believe in, how we can activate our, how we can get the good hormones to work. And there are different ways. And one of the best ways is really our faith. And I've said it many times. If I didn't have my faith, I would have jumped from the first bridge. And the first bridge is round the corner here over the railway line. there are ways we can address things, and then we can understand how people feel. You know, like you are saying, Barbula, and then being a priest to put the faith in balance with realities of life is a very strong point. Of course, God is here to help us, but we've got to be able to really open our heart and our mind and believe. And when we do that, it's a help to us. It's helping us, our faith help us rather than wait on his help. Could you ask your question, because it's a time for questions now. It's not a question. It's I'm applauding the fact that we've put faith in the center, as well as the science in the center as well. The science of dealing with depression together with faith. Faith alone is not, like you've said earlier on. And and merci beaucoup, mon père. Merci Thérèse. Marie-Reine, à vous la parole. Vous pouvez activer votre micro. Je suis tout à fait d'accord avec cette dame qui vient de parler, et je dis que la foi aussi. Demander justement qu'il mette sur notre chemin quelqu'un qui va nous aider. Ça, c'est tout à fait vraiment acceptable. Et c'est la foi qui nous aide, ça c'est certain. Et il mettra sur notre chemin la personne qui nous aidera. J'en suis convaincue. Et je remercie vraiment le Père Boulard d'avoir dit ce qu'il ressentait et comment il a traversé cette période. Merci. Merci beaucoup, Maria. Merci, Marie-Reine.
Merci tout le monde pour votre participation. C'est tout le temps qui nous reste aujourd'hui. J'aimerais terminer cette rencontre en donnant la parole au Père Boulad pour le mot de la fin et la bénédiction. Oui, je pense que il y a quelques psaumes qui peuvent nous aider dans cette situation, notamment des profondeurs. Je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Et des psaumes qui parlent d'un gouffre qui s'ouvre au-dessous de nous et dans lequel nous sommes engloutis. Les cris des psaumes sont une aide considérable pour celui qui se sent noyé dans la détresse. Et donc, la foi est une chance pour ceux qui croient, et savoir que, premièrement, on a un Père qui nous voit, qui sent, qui compatit, et deuxièmement, on a Jésus qui a vécu notre détresse et qui la comprend, pas théoriquement, mais parce qu'il a traversé. Seigneur, quand nous sommes noyés dans le désespoir, la détresse, aide-nous à crier vers toi et à implorer ta présence et ta guérison. Et nous voulons spécialement prier pour tous ceux qui vivent cette expérience de noir, de neurasthénie et de désespoir. Amen. Amen. Je suis désolée de vous couper sur cette conclusion, Père Boulad. Et j'avais une question que j'ai jamais osé poser quand j'ai traversé cette grande période de souffrance à un prêtre que j'ai écrite sur une lettre. Voilà, je ne l'ai jamais envoyée. Cette question, c'est devant Jésus en croix, devant le Christ en croix qui souffre terriblement quand il est crucifié, est-ce qu'on lui dirait « Oh, quand même, non, mais pleure pas trop. Enfin, Jésus, tu aurais pu éviter de te faire livrer, tu aurais pu te défendre. » Est-ce qu'on lui dirait ça ou est-ce que, en fait, simplement, nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on ose juste regarder cette croix, le Christ dessus, souffrir et se taire? Moi, je pense que quelqu'un qui souffre n'aime pas les discours, n'aime pas les considérations philosophiques ou théologiques ou spirituelles. Il veut une présence silencieuse à ses côtés. Et je pense que c'est un peu ça le sens, quelquefois, de la prière sans mots, sans paroles, ou la prière de présence et de compassion. Marie, au pied de la croix, n'a pas fait des discours à son fils. Elle a été là, un point, c'est tout. Sa présence, parce qu'elle ne pouvait pas faire mieux et qu'elle ne devait pas faire mieux. La souffrance est quelque chose de tellement, tellement délicat qu'il faut la manier avec extrêmement de précaution et de délicatesse. Quand on a souffert, on sait trouver les mots qu'il faut. Moi, au pied de la croix, moi, je ne dirais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Les mots trahissent, les mots... La présence, voilà. Merci. Merci, Père Boulad. Merci. Merci, Marine. Bon, merci encore une fois, Père Boulad, pour cette conférence. Mesdames et messieurs, ceci conclut notre rencontre d'aujourd'hui. Merci pour votre participation. N'oubliez pas, la prochaine conférence se tiendra le samedi 3 septembre à 10h30, heure de Montréal. N'oubliez pas de visiter notre site web, Les Amis du Père Boulad, et lire notre infolettre du mois d'août, en plus d'accéder à la deuxième retraite mise en ligne,
qui es-tu, Jésus de Nazareth? Je vous rappelle que le recueil des pensées du Père Boulad, La quête du sens, est toujours disponible. Veuillez contacter mmakram@videotron.ca. Continuez à nous suivre sur Facebook. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel henriboulad.online@gmail.com et vous pouvez aussi nous suggérer des thèmes que vous aimeriez que le Père Boulad aborde dans les prochaines conférences. Merci encore une fois et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.